monde. Bonjour Ariane, bonjour Laurent, Thierry, Augustin, on a du monde, on a Jérôme, on a Agnès, on a Laurent, on a Thierry, Valérie, Alain, Florence, Sylvie, Noémie, voilà, de la Vendée, voilà, tu vois, regarde la Vendée, Lionel, il y a du monde là, et tout le monde arrive, Sylvain, ah oui, c'est vrai qu'ils se disent, là on est à l'heure, hein. Stéphane, bonjour, Chamonix, bah oui, Chamonix, c'est fantastique, Chamonix, bonjour Oui, Didier. mais quand vous venez en même temps, c'est sympa. Christophe, donc Amel, Emmanuel, Karine, Didi, non, il y a du monde, hein, il y a du monde. 17h, voilà, on va laisser encore une petite quelques secondes. Voilà, je pense qu'on te connaît, hein, je pense que tu as des amis qui sont là, il y en a qui te connaissent, hein, qui sont contents de Oui. te retrouver. Bonjour Alexandre, Alizée. On va démarrer, donc un épisode formation cette fois-ci. Épisode formation avec Paolo, on te connaît, on a déjà eu encore une fois une formation avec toi sur la prospection. Comme je le disais, moi j'ai été bluffé par la méthode qui permet de décrocher plus de leads lors des rendez-vous. Je pense que la pige, ça marche encore, la pige, hein, c'est vrai, la pige, ça marche. En tout Et ben voilà, il y a des. Non, mais c'est vrai, c'est encore un bon outil, la pige, ça marche pour obtenir des rendez-vous. je ne Encore sais faut. pas, Thibault, on va en parler. On va en Hein, parler encore. ça fait Voilà. partie du programme. Il y a le côté obscur de la pige, hein, mais il y a aussi le côté ensoleillé de la pige. On va aborder ça aujourd'hui. Et donc, si tu veux, Plaisir. en tout mot, Ouais. Thibault, le programme, c'est le suivant. Donc aujourd'hui, c'est effectivement, d'abord, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me Oui, connaissent pas pour ceux qui ne encore. connaissent pas, excuse-moi, bien Bon, sûr. ensuite, bon, on verra ensemble, est-ce que la pige en 2021, c'est quelque chose de dépassé ou non, hein? Finalement, est-ce que ça vaut encore la peine de passer du temps à apprendre, à se former là-dessus? On verra le côté obscur de la pige, pourquoi on ne la fait pas, pourquoi on la déteste, pourquoi il arrive que ça ne marche pas. On verra aussi l'autre côté, le côté ensoleillé. Donc, quels sont tous les avantages qu'on peut en tirer, en tout cas, si on a les bons outils pour le faire. Aujourd'hui, Thibault, comme promis, et tu as vraiment dû insister beaucoup, je vais quand même donner mon script, parce que normalement, je ne le donne pas gratuitement. Donc, Mais il faut donner, non, Paolo, il faut donner. Mais ça, c'est important. Il faut donner, donner, donner. Ça paye toujours. Il faut donner. Et puis peut-être qu'ils auront envie d'en savoir plus et de Oui, suivre bien sûr. peut-être encore plus. Parce que même si tu. Une journée. Enfin, une journée. Non, ce n'est pas une journée. C'est presque une journée, une heure avec nous. Mais ils auront envie de plus après. Donc, ils vont t'appeler. Ils vont vouloir s'en suivre, effectivement, un coaching. Parce que c'est vrai que le coaching, ça permet. Comment dire, d'installer les bons comportements. Voilà. Mais donne-en un maximum. Moi, je sais qu'ils sont venus pour ça, donc il faut vraiment donner un maximum pendant les clubs FBM Excellence. C'est ce qu'on attend en tout cas. Tout à fait. Et donc, on verra aussi aujourd'hui comment passer d'un taux de réussite qui, au début, quand on débute, est relativement faible à un taux extraordinaire. Donc, on verra quels sont les scores normaux quand on a un script, quand on est un peu entraîné, quand on démarre la prospection téléphonique. Et on verra comment on peut atteindre des scores extraordinaires du style Super. 6 à 7 rendez-vous sur 10 appels. On verra les 10 règles aujourd'hui d'un bon script par le biais de mon script. Mais en même temps, on va en découler, pardon, les règles. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin ici de cette intervention, donc on va terminer aux alentours d'un petit 18 heures, eh ben, je vais vous dévoiler aussi également comment on répond à l'objection « je ne veux pas d'agence », hein, parce que c'est effectivement une des objections qu'on reçoit le plus au téléphone. Et enfin, puisque tu m'as donné ton accord, Thibault, 2 minutes sur un prochain webinaire entièrement gratuit qui s'appelle « Power Mandat » ou « Comment rentrer avec moi vos mandats en exclusif et au juste prix sans même devoir argumenter ». C'est extraordinaire ça quand même, hein? Voilà, mais ça, c'est du gratuit aussi pour bientôt. Donc, dans un premier temps, faisons un peu mieux connaissance pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai débuté dans l'immobilier à l'âge de 36 ans, donc j'étais déjà un vieux. J'aurais bien aimé commencer beaucoup plus tôt si j'avais su. Et tout à fait par hasard, donc c'était en 2001, j'ai vendu un appartement en 3 semaines. En réalité, je travaillais dans les assurances et une de mes clientes, m'a demandé de l'aider à vendre l'appartement de sa maman. Bon, je n'étais pas dans l'immobilier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à l'agent immobilier qui m'avait vendu mon appartement s'il était intéressé. Il est venu le voir et puis il m'a dit, écoute, Paolo, c'est quand même loin de chez moi. Il habitait à 50 km de Bruxelles. Est-ce que tu veux bien t'en occuper? Et donc, bon, je dis oui, pourquoi pas. Et en 3 semaines, je l'avais vendu. Et bah, j'ai pris ma calculatrice. Je dis, c'est quand même formidable ce qu'on peut gagner dans ce métier. Donc, j'ai été séduit. C'est vrai, je le reconnais au début. C'est l'aspect financier qui m'a attiré. Puis donc, en 2001, j'ai été stagiaire chez Century 21 ici en Belgique. En 2002, j'ai ouvert ma propre agence avec zéro mandat. L'agence était située à 50 mètres de la route,
C'était en fait le rez-de-chaussée d'un grand immeuble, vous voyez, avec un immense jardin devant, donc une vitrine, autant dire que ça ne servait à rien. Zéro mandat pour démarrer. Et comme ça, donc en moins de 4 ans, avec une équipe que j'ai développée, on a été numéro 1, Century 21 Belgique. Ce n'est pas vraiment prévu, mais bon, voilà, ça s'est super bien fait. Comment dis-tu, Thibaut ? Belle référence, Century 21. Belle référence, c'est bien. Oui, franchement, c'est bien que tu dises ça parce que on peut penser ce qu'on veut des gros réseaux, des franchises américaines, etc. Mais il faut reconnaître quand même une chose, c'est que tous ces grands réseaux peuvent vous apprendre beaucoup de choses au niveau des scripts, au niveau des méthodes. Et en général, les gens qui ont travaillé dans ces agences et qui se lancent un jour à leur compte, ben, sont des gens qui ont des résultats extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les bons scripts, ils ont les bonnes méthodes. Excellent. Et finalement, avec le temps, ce que j'ai fait, je n'ai fait que les perfectionner en suivant comme ça des séminaires chez d'autres aussi. En 2011, donc, j'ai revendu la mésagence Century 21 parce que bon, j'étais un petit peu fatigué, j'en avais un peu marre. Je m'étais dit que c'était bien de profiter un petit peu de la vie. Et bon, 15 jours après, je m'ennuyais comme un rat mort. Et mon épouse me dit, mais enfin, Paolo, tu as tout ce que tu veux maintenant, tu peux profiter de la vie. Rien ne t'empêche de retravailler dans quelques années si tu as envie, mais je m'ennuie à mourir. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Je dis, écoute, tu vas rigoler, mais j'adore l'immobilier. Et bon, elle me dit, bon, ben alors, on va refaire quelque chose alors. Et c'est comme ça qu'avec elle, on a créé une agence virtuelle, oui, virtuelle en 2011, donc il y a déjà 10 ans. En fait, c'est plutôt une agence sans vitrine. Et à deux, on a fait le joli chiffre de 250 000 euros. C'était pas mal pour une première année. Et bon, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Et 3 ans plus tard, j'ai eu l'occasion à Paris de rencontrer Marc Jelensperger. Beaucoup de gens le connaissent déjà ici. Lors d'un séminaire Mike Ferry, où là aussi, il y avait des petites choses vraiment intéressantes à aller chercher. Et avec Marc, ben, on a décidé de créer un groupement d'agents immobiliers qui s'appelle Property Partners. Aujourd'hui, on compte plus de 240 agences immobilières qui sont affiliées en Belgique, en France, en Suisse, au Portugal, même aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas un système de franchise, c'est plus un groupement où on partage des expériences et où on teste tous les outils qui arrivent sur le marché. Hein. Et pour terminer, donc, la petite histoire, donc, en 2015, là, je me suis recentré sur une des choses que j'aime le plus dans ce métier. C'est ce côté formation que j'adore, c'est transmettre ce que je connais et de voir comme ça les yeux des gens briller quand ils ont pu le tester et avoir des résultats qui deviennent extraordinaires. C'est ce qui m'a conduit vraiment à développer cette partie formation et j'ai eu la chance de former plus de 500 agents immobiliers maintenant dans des réseaux comme Century 21, Remax, ERA, aussi des réseaux du style Webimo, propriétéprivée.com, Engel & Völkers. Donc ça, c'est ma petite histoire de formateur. Et pour terminer, en quoi est-ce que mes formations sont différentes? Vous allez le découvrir tout de suite. Ce qu'on en dit en tout cas, c'est que ce sont les seules formations qui sont vraiment du pratico-pratique donné par un agent immobilier qui a pratiqué sur le terrain, qui a réussi aussi sur le terrain. Tout ce que j'enseigne, tout ce qu'on va voir aujourd'hui sont des choses que j'ai testées moi-même, que j'ai testées avec mes équipes et que je teste encore aujourd'hui avec mes amis agents immobiliers qui suivent mes formations. Donc, ce n'est pas de la théorie, c'est vérifié, c'est pratiqué au quotidien et donc ça marche. Allons-y. Exactement. Je vous remercie d'avoir été patient et d'avoir écouté Paolo. Ils sont tous là, hein, on n'a perdu personne pour l'instant. Hein. Ils sont tous là, ils sont impatients. Hein. Moi aussi. Hein. Alors justement, ben, le sujet du jour, c'est la pige. Oui. Alors, ce que j'entends très, très régulièrement, Thibaut, ce sont des coachs immobiliers en Belgique et en France qui disent que bon, ce n'est pas quelque chose à faire, entre guillemets, que c'est la meilleure chose à faire, en tout cas pour être dégoûté de l'immobilier, que les mandats qu'on rentre en pige, en général, ce sont des mauvais mandats. Mmh. Donc, finalement, on en entend beaucoup plus de choses négatives que de choses positives. C'est vrai. Maintenant, j'ai une bête question à poser. Si maintenant tous les propriétaires disaient oui quand on les appelait pour leur proposer notre service d'agent immobilier, est-ce que vous pensez qu'on aurait le même discours? Bien sûr que non. Hein? Et donc, si aujourd'hui on entend ces réflexions, pourquoi est-ce qu'on déteste et pourquoi est-ce qu'on évite la prospection téléphonique? Les raisons sont simples. Je vais les évoquer avec vous et je vous invite dans le chat à me dire si vous vous retrouvez là-dedans. C'est que faire la pige, c'est un petit peu comme si vous aviez le sentiment de mendier.
Ça, c'est une expression que j'ai déjà entendue. Est-ce que certains parmi vous ont aussi ce sentiment, si demain, ils devaient prendre leur téléphone et appeler des propriétaires, d'être entre guillemets des mendiants? Dites-moi un petit peu ici dans le chat ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Est-ce qu'on a des retours? Est-ce que vous avez le sentiment, si demain vous prenez votre... Jérôme nous dit non. François, hein, il dit que ouais, effectivement, ça peut arriver a priori. Enfin, je pense qu'on va arriver à 50-50. Oui, voilà, c'est très partagé, effectivement. Allez, oui, parfois. Ah si, là, le oui l'emporte quand même. Ah oui, quand même, fait la manche. Donc oui, quand même. Donc on a cette impression-là, a priori, oui. Tout à fait. Donc, il y a le côté mendiant, entre guillemets. Il y a aussi l'aspect, j'ai été éduqué comme ça, on ne dérange pas les gens. Hein. Donc, pourquoi appeler des gens qui ont mis leur annonce pour vendre par eux-mêmes? Sans doute parce qu'ils ont envie d'essayer par eux-mêmes, donc ils ne sont pas forcément ouverts au service d'un professionnel. Pourquoi les déranger? Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi, c'est qu'on a été éduqué comme ça, on ne dérange pas les gens. Pire encore, Thibaut, c'est le fameux agent s'abstenir. Alors là, si je téléphone sur un agent s'abstenir, là, j'entends cette expression, je vais encore me faire jeter ou je vais encore me faire allumer, c'est ce que j'entends. Hein. Évidemment, il y a une façon de traiter le agent s'abstenir. Hein. Aussi, ce que j'entends, c'est des agents immobiliers qui me disent, ben moi, au niveau de la pige, j'improvise un petit peu, je le fais un petit peu au feeling, ou certains même qui ont un script, mais un script dans lequel ils ne sont pas vraiment investis, ils ne sont pas vraiment convaincus. Et donc, évidemment, si on n'est pas convaincu de ce qu'on dit, ça ne passe pas. Ensuite, Thibaut, tu vois que les raisons sont nombreuses. Hein. Il y a le fameux recevoir des noms, personne n'aime, notre ego en prend plein la figure. C'est vécu un peu comme un rejet personnel ou comme si on avait le sentiment d'être ridiculisé en public. Alors, toi, Agnès nous le dit. Hein. Agnès a dit la crainte de se faire jeter, bien sûr. Mais quand même, effectivement, elle s'est dit, finalement, il n'y a rien à craindre. Donc, voilà. Voilà, il faut quand même passer le cap. C'est difficile, en tout cas, de se dire, je vais devoir appeler quelqu'un qui ne veut pas d'agence. Donc, c'est quand même un obstacle. Hein. Pire encore, c'est quand les gens vous raccrochent directement au nez. Hein, donc, ils entendent, vous êtes une agence, on l'entend directement et paf, ils raccrochent au nez, on n'a même pas le temps de dire un mot. Et certains agents immobiliers m'ont même avoué rêver que le propriétaire ne décroche pas. Hein. J'imagine que bon, tout ça, ça vous parle. Donc, vous voyez que on a quand même l'image en tête. Moi, je sais que je suis appelé parfois le samedi par certains opérateurs ou par certaines sociétés. Et c'est vrai que parfois, j'ai un contact qui n'est pas très bon. Et ça ne me donne pas une bonne image. Voilà, je te le dis. Donc, effectivement, on a peut-être ça en tête aussi. On se dit, mais on n'a pas envie de faire comme eux. Voilà, on se dit, ben, on ne va pas embêter, on ne va pas ennuyer les gens et on ne veut pas laisser planer une mauvaise image. En tout cas, c'est ça qui bloque, je pense, qui empêche d'avancer ici. Tout à fait. On ne va pas faire aux autres, entre guillemets, ce qu'on aime qu'on nous fasse, ce qui est logique. Hein? Alors, vous imaginez que pour les directeurs d'agence qui lancent des jeunes dans l'immobilier et qui les mettent sur la piste sans leur donner des bons outils, c'est comme si on les jetait dans la jungle sans avoir une armure efficace. Exactement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être justement préparé? Parce que c'est ça. Je pense que le vrai sujet, moi, je ne vais pas parler du golf, parce que si on parle de golf, on est pour toute l'après-midi hein, ou la soirée. Et donc, pour jouer au golf, il faut apprendre le geste. Il y a une méthode. S'il n'y a pas de méthode, on ne peut pas bien jouer au golf. C'est impossible, hein, même si on joue beaucoup. Donc, vraiment, il nous faut une méthode. Donc là, Paolo… Il faut que tu nous donnes des clés. C'est important. Oui, tout à fait. On va y venir. T'inquiète pas. C'est prévu. Mais le côté obscur est tellement puissant que c'est ça que je reste. Impatiente. Roxane s'impatiente hein, à aborder le sujet sur les objections. Tu vois, hein, non, mais... tu vas voir. Hein. C'est pour bientôt. Mais par contre, il y a des agents immobiliers qui ont vraiment besoin d'argent, qui sont au début de leur activité. Et c'est important même de réussir la pige. Et donc, on déteste finalement et on se trouve de bonnes raisons pour ne pas le faire. Ça va être du style, Thibaut, « Oh non, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je ne suis pas en forme. » Mais tu sais, il vaut mieux le faire quand on a la patate. C'est vrai. Ouais. C'est un peu vrai aussi. Hein. Pour le coup, moi, je suis un peu d'accord avec ça. Il vaut mieux se dire « voilà, je suis en forme tel jour, pas le lundi en général, donc plutôt le jeudi. Mais est-ce que c'est un bon jour le jeudi pour faire la photo? Bonne question. Quel est le bon jour? Est-ce qu'il faut être en forme pour le faire? Alors, ce que j'ai envie de donner comme idée ou comme conseil aujourd'hui, et je vais le faire sous forme de question, c'est dur pendant combien de temps? Je vais vous le dire, c'est dur les 20 premières secondes de la séance d'appel. Pourquoi? C'est le temps de se lancer et de faire le premier.
Donc, après, une fois qu'on a eu les premiers propriétaires ou pas, la machine, elle est lancée et ça démarre. Le plus dur, c'est… Et donc, c'est 20 secondes multipliées peut-être par 40 sur une année. Ainsi, imaginons que toutes les semaines, vous dites, voilà, je vais appeler toutes les nouvelles annonces qui arrivent sur mon marché. Mais si on fait le compte, 20 secondes fois 40, ça fait combien? Faites un peu le compte avec moi. Ça fait 800 secondes, ça fait combien de minutes? Ça fait quoi? Une heure et demie par an, grosso modo, ou c'est un peu… C'est 10 minutes. Non, 800 secondes, c'est 10 minutes, c'est sûr. Voilà, donc 10 minutes par an. Alors, 10 minutes par an, je vais déjà vous donner un bête chiffre comme ça. Hein. Imaginons qu'avec l'API, je vous fassiez une vente par mois à 5 000 euros de com. Ça fait 60 000 euros pour se faire chier, excusez-moi l'expression. Ouais, ça vaut 10 minutes. 30 pour vous lancer les machines. Donc, ça vaut peut-être la peine. On va y réfléchir. C'est comme quand on se lance dans l'eau, hein, qui est un peu froide, c'est toujours difficile. Ouais. Après, qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne, quoi? C'est exactement ça. C'est exactement. Ouais. On sent plus les coups. Hein. Après, c'est facile. Après, c'est facile. Alors, tu m'as dit, non, mais ce que je retiens, moi, c'est qu'on commence par se dire que c'est surtout les 20 premières secondes qui sont difficiles. Ok? Oui. Alors, très bien. Et surtout, mais comment on fait? C'est quoi le geste? C'est quoi le geste? C'est quoi le backswing? Il faut que tu nous expliques le backswing, parce que là, on reste un peu en attente. Hein. Mais ça va venir, Thibaut, sois un petit peu patient. Ah non, moi, je suis pas patient, moi. Je suis comme nos. Ils sont là, ils attendent. Hein. Catherine, oui. Elle attend. Hein. Non, mais c'est vrai. Maxime aussi. Hein. D'abord, on va voir le côté ensoleillé de la pige, parce que on ne va jamais rien faire si quelque part, il n'y a pas une carotte derrière. Hein? D'abord, c'est un gisement inépuisable de biens qui sont immédiatement à la vente. Donc, ce sont des opportunités immédiates. On est d'accord que quand on va faire une estimation, ouais. On est certain que les gens vont mettre en vente tout de suite. Deuxièmement, ce qui est formidable, c'est que 80 à 90% des agents immobiliers évitent de faire la pige ou la prospection téléphonique. Ah, oui. Ce qui laisse la place aux autres, ça c'est quand même formidable. Ah, oui. Alors, bon, au début, quand on démarre l'activité, imaginons que vous êtes débutant dans l'immobilier, si vous ne travaillez pas pour une enseigne qui est connue, est-ce que vous pensez que vos amis vont facilement vous recommander? Ce n'est pas évident de recommander quelqu'un, même si on a confiance en lui, mais qui débute dans quelque chose. Hein? Et donc, ça peut être un mal ou en tout cas un passage nécessaire. Et puis, moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont inscrits à cette formation pige chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont avoué simplement que le relationnel ne suffisait pas par moment et que donc leur chiffre d'affaires allait comme ceci en dents de scie et ça leur a permis finalement d'équilibrer les comptes et d'avoir une stabilité financière. Mmh. Et enfin, pour terminer là-dessus, enfin presque, finalement, c'est que chaque bien que l'on rentre, c'est extraordinaire parce que d'abord, ça permet à un moment donné de dominer son secteur. Hein? Moi, je ne supportais pas, et je suppose que tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui ne supportent pas de voir le panneau d'un de leurs concurrents sur un bien qui se trouve à 20 mètres de leur agence ou à 20 mètres de leur activité. Moi, ça me donnait des boutons, d'une part. Et puis, après, ce qui est formidable, c'est que quand vous avez collé le vendu sur le panneau, c'est d'avoir des gens qui vous appellent en vous disant « Voilà, on vous a appelé parce que j'ai vu que vous aviez vendu rapidement le bien qui se trouve là en face. Hein? » Et comme on le disait tout à l'heure, Thibaut, ceux qui réussiront grâce à ça, ne fût-ce qu'à vendre un bien en plus par mois, et je ne donne vraiment pas un chiffre de dingue, pour une commission, je dis 5 000 euros, ce n'est pas un chiffre de dingue non plus. Non. Finalement, c'est 60 000 euros par an. Bah, réfléchissez à ce qu'on peut faire avec ça. C'est quand même possible. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Est-ce qu'on n'est pas, on peut ne pas dire tout simplement que finalement, le business, on maîtrise quand on a des contacts qu'on génère régulièrement. Si on dépend d'autres choses, d'autres personnes, d'autres biais, ou que justement on dépend que du relationnel, on n'a pas un business stable. Et je pense que si on veut pouvoir générer un bon chiffre d'affaires, il faut générer la base, les contacts, la génération de contacts. Et donc c'est vrai que la pige, c'est un moyen fantastique pour se faire. En plus, le coût, c'est quoi le coût? C'est quoi le coût de la pige? C'est balle, pot de balle, c'est zéro. Eh bien voilà, ça dépend que de notre talent. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on maîtrise son sujet. Je pense que c'est un merveilleux moyen de maîtriser son destin. Donc c'est vrai que c'est générer des contacts quand on le souhaite. Et donc, c'est comme au golf, hein. Quand vous avez le bon geste, eh bien, la balle, elle part toujours bien. Mais là, c'est la même chose. Donc, il faut apprendre la méthode. Donc, Paolo, on a besoin de savoir. Là, on s'impatiente. Oui, je sais, Thibaut. Mais le script, excuse-moi, le script, il fait à peine 2 pages. Donc, si je vais directement… Ah, mais moi, je pense que les meilleurs gestes, c'est ceux qui sont les plus simples. Oui, absolument. Ah. Il y a surtout une chose qui est capitale. J'adore cette citation d'Henry Ford qui dit… Que vous pensiez que vous êtes capable de faire quelque chose ou non, dans les deux cas, vous avez raison. Eh oui.
Donc, si demain, vous décidez que vous êtes capable de le faire et si vous voulez trouver les outils, c'est une vraie motivation, vous y arriverez. Et le plus gros blocage, finalement, c'est quoi? On peut le résumer en 4 lettres. Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez le mettre dans le chat. Quel est finalement le plus gros blocage? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est un mot en 4 lettres. Je vous écoute. Enfin, je vais vous lire ici, dans le script, dans le chat. On a déjà la réponse, hein? Oui, c'est? Ah ben, la peur. Ben voilà, effectivement. C'est oui, Catherine, Laetitia, elle suit. Amel, il suit. Hein. Christian, il suit. Hein. Et Yannick, ils suivent. Hein. Ils sont là. Rien aussi. Enfin, ils sont là. Ils suivent. Hein, Magali. Hein. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg, il dit: que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Hein? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est tellement vrai. Réfléchissez. Hein, votre vie, elle peut complètement changer. Alors, ce que je vous donne comme conseil aussi avant de démarrer une séance de pige, c'est d'avoir la réflexion suivante. Amel, il n'en peut plus. Hein. Là, il faut y aller, hein, Paolo. Je sais. Allez, qu'est-ce qui peut vous arriver au pire? Dites-moi. Vous pouvez le noter dans le chat. Qu'est-ce qui peut vous arriver pire? Ah ouais, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, c'est quoi? L'amour propre? Ouais, se faire accrocher au nez, c'est vrai. Ouais. De gagner, c'est vrai, de gagner. Voilà. Au pire, un refus, c'est vrai, le nom. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on ne va pas mourir sur place. Hein, on ne va pas mourir. Hein. Au pire, c'est quoi? C'est que la conversation s'arrête. Donc, c'est quoi le pire? C'est rien. Je vais vous montrer. Non, mais c'est vrai. J'ai fait le pour et le contre. Tout le monde voit bien. Tu vois bien le tableau ici. Non, mais là, on est content de voir le slide. Non, parce qu'on l'attendait, le slide. Hein. Voilà. Donc, en fait, le pire, qu'est-ce qui peut vous arriver? C'est d'abord qu'un inconnu vous dise non. Ouais. Et dans la phrase, il y a le mot inconnu. Qu'un inconnu vous raccroche au nez, qu'un inconnu vous insulte. Et puis là, j'ai mis en parenthèse en rue. Pourquoi? Parce que si même quelqu'un vous insulte au téléphone, et demain, vous allez faire vos courses au Carrefour, et cette personne qui vous a insulté, elle est devant vous, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer, vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas, oui. Donc qu'est-ce que vous risquez? Rien. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver de plus grave que ça? Rien, on est d'accord. Rien. De l'autre côté, le meilleur, et ça m'est déjà arrivé, c'est qu'en une heure, je chope 3 rendez-vous, oui. Premier appel que je passe, j'obtiens un oui, et vous imaginez, vous rentrez chez vous ou du bureau, vous dites, oh, aujourd'hui, vous dites à votre patron… J'ai décroché 3 rendez-vous en plus, vous êtes super motivé, vous avez une pêche d'enfer après, hein. C'est juste. Hein. Alors, va pas trop vite, parce que une seconde, une question. Peur, je vois peur de ternir l'image de l'agence. Ça, quand même, ça peut exister. Si on dit, voilà, je suis monsieur et je suis telle agence et que je me fais raccrocher au nez, c'est vrai que ça peut, il y a cette peur de ternir l'image. Je pense que c'est vrai, il y a cette peur-là, de Yannick. Enfin, de Yannick, yeah. En tout cas. J'ai une simple question à poser alors par rapport à ça, Thibault, c'est qu'est-ce qu'il y a de mal à proposer son service? C'est vrai. C'est vrai. C'est aussi con que ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à le faire finalement, hein? Et je voudrais encore vous rassurer ici, c'est passé au JT sur TF1 il y a quelques années. Je vais vous le montrer. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, le résultat d'une étude dont les chiffres tombent comme un couperet. Dans 100% des cas, les personnes qui ont décroché leur téléphone pour faire de la prospection et qui se sont vues opposer un refus sont restées en vie. On peut donc désormais dire avec certitude qu'en matière de relations commerciales, un non n'a jamais tué personne. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Il n'y a pas un trucage là, non? Je ne sais pas. Ah ouais, il y a un petit trucage, oui. Alors, on arrive gentiment vers le script, évidemment. Mais avant ça, je voudrais attirer votre attention encore sur un dernier point qui est vraiment important. Non, mais c'est important de peut-être comprendre que c'est que des peurs un peu irrationnelles et qu'il faut dépasser ça. Tout à fait. Et même quand on a le bon script, même quand on a le top script, ça ne suffit pas toujours. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que il y a aussi le facteur chance qui va jouer. Oui. Il se peut que vous tombiez chez quelqu'un à un mauvais moment, tout simplement. Ça peut être quoi? Ça peut être un enfant malade, ça peut être un décès, un problème pour des problèmes professionnels, un accident de voiture, des divorces, des disputes, il y a plein de choses. Et en plus, bon, vous appelez quelqu'un qui, a priori, n'est pas décidé ou pas encore à travailler avec un professionnel, vous tombez à un mauvais moment, forcément, vous allez avoir un refus. Ce qui peut arriver aussi, c'est que sur une heure, ce propriétaire, il a reçu 5 appels d'agents immobiliers, et bon, ça l'exaspère à ce moment-là, donc pas de chance, vous appelez simplement au mauvais moment. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on va appeler finalement? Est-ce qu'il faut appeler les propriétaires dès que l'annonce paraît? Finalement, quel est le bon moment pour appeler, hein? Alors, la réponse est la suivante, c'est qu'on ne sait jamais quand le fruit est mûr.
C'est ça le problème. Mmh. Vous avez des propriétaires, après 3 jours, ils sont au mur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des visites, ils ont eu des visiteurs qui ont critiqué leur bien comme ce n'était pas possible, ils ont eu une offre de merde, ils sont déjà dégoûtés après 3 jours. Il y en a d'autres, il leur faudra 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois 6 semaines. On ne sait jamais quand il est mûr. Et donc, c'est l'agent immobilier qui va suivre ces annonces, qui va être récurrent dans ces appels, qui a le plus de chances d'être là au bon moment. D'accord ? Et si on n'appelle pas, ben forcément, on ne le saura jamais. On ne sait pas quand est le bon moment. Donc, il n'y a pas de règle. C'est ça que tu nous donnes comme information. Pas de règle, il faut appeler, simplement. Absolument. La prospection, c'est un peu comme une chasse au trésor. On peut avoir une bonne, une mauvaise pioche. Et je vais vous donner ici un exemple. C'est une séance d'appel que j'ai vécue pour vous dire que ce n'est pas toujours simple. Hein. Et donc, je suis tout à fait les gens qui disent que ce n'est a priori pas simple. Hein, par exemple, premier appel, on vous dit non. Deuxième appel, on vous dit de nouveau non. Le troisième, on vous dit non. Et donc, je voudrais vous poser la question. Vous avez déjà passé, vous avez déjà peut-être décroché 10 fois pour avoir 3 personnes en ligne. Et on vous a déjà dit non 3 fois. Est-ce que vous allez passer le 4e ? Alors, vous êtes courageux, vous passez le 4e. C'est encore non. Est-ce que vous allez passer le 5e ? Vous avez peut-être déjà composé 15, 20 numéros. Hein ? 5e, 6e, 7e, 8e, 7e, on vous dit non. Alors, est-ce que vous allez passer le 8e ? Je vous pose la question dans le chat. Est-ce que vous allez passer ce 8e appel ? Le 8e appel. C'est pas la même personne, on est d'accord. Hein ? Non, c'est chaque fois des annonces différentes. Donc, il y a déjà 7 personnes qui vous ont opposé un refus. Carole, elle dit non. Marc, il dit oui. Ariane, elle dit non. Alors, voilà. Il faut être super courageux. Hein. Alors, je sais que j'ai rajouté en dessous et pour 60. Carole, elle y va. Hein. Carole, elle y va. Valérie, elle hésite quand même. Hein. Amel, bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce que pour 60 000 euros, vous le feriez maintenant ? Là, je crois que… Est-ce qu'on fait pour 60 000 euros ? On pose la question, parce que c'est vrai que la question a été posée différemment. Hein, donc, pour 60 000 euros, on le fait. Ça a changé. Hein, j'ai quand même plus de oui d'un coup. Là. J'ai beaucoup de oui. Ariane, elle est d'accord. Valérie, Sylvain, ben, tout d'un coup, ils sont d'accord. Pour 60 000 euros, ils le font. Donc, la vraie question… Voilà, c'est ça. En fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Sinon, le courage est difficile à trouver. Hein. Oui. Pourquoi on le fait ? Ce qui s'est passé, je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, 7 refus, et puis le 8e, ça a été oui, le 9e, ça a été oui, le 10e, ça a été non, le 11e, j'ai eu un oui, le 12e, ça a été non, et le 13e, j'ai eu un oui. Donc, si on fait notre compte ici, sur cette séance-là, en tout cas, ça nous fait un 4 sur 13, qui n'est pas trop mal, finalement. Et pour tout vous dire, j'ai rentré sur ces 4 rendez-vous 2 mandats que j'ai vendus, et ça m'a rapporté 25 000 euros. Donc, par rapport aux 60 000 euros, finalement, je n'étais pas tellement loin, hein. On est d'accord ? 25 000 euros sur quoi ? Sur une prospection téléphonique de combien de temps ? Une pige de quoi ? C'est 1 heure, là ? 2 heures ? C'est plus que ça. Ici, c'est 2h30, 3 heures. Hein. Ouais, parce qu'en moyenne, on a 4-5 personnes en ligne par heure en moyenne, hein, parce qu'il y a beaucoup d'absents. Il y a des gens qui ne décrochent pas parce qu'ils sont occupés, tout simplement. On tombe sur des messageries. C'est important. Donc, tu comptes les appels aboutis. C'est-à-dire que tu as quelqu'un en ligne. Ce n'est pas les appels… Ah oui, le nombre de décrochés, ça peut être nettement supérieur, absolument. Et le plus important, on va le voir tout de suite, c'est de toujours terminer sur une note positive. Donc, je ne me suis pas arrêté à 12. Pourquoi ? Parce que c'est tout. J'aurais pu, parce que déjà, avec 3 rendez-vous, c'était une séance. Hein, mais ce qui est important, c'est de toujours terminer sur une note positive. Voilà une 2e séance. Premier oui, 2e appel non, 3e oui, et puis une série de 4 non, 1 oui en 8e, 9, 10, 11, c'était non, et 12e oui. Pourquoi est-ce que j'ai été jusque 12 ? Parce que je voulais terminer sur un oui. Et pourquoi c'est important de terminer sur une note positive ? Parce que c'est ce qui va vous donner le courage et l'énergie pour recommencer une prochaine fois. Alors, sans faire, bouge pas, Paolo, tu vas trop vite. 1 seconde, on a quand même 2 questions très intéressantes. Okay. Première question, dans le désordre, faut-il laisser un message quand on a effectivement un serveur, enfin, une messagerie ? Alors non, moi je ne laisse jamais de message et je vais vous dire pourquoi. D'abord, dans le message, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire que tu es agent immobilier et qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Non, merci, je n'ai pas besoin de vous. Hein ? La plupart du temps, c'est ça. Si maintenant tu triches en te faisant passer pour un particulier, si par après tu les as en ligne, mais comme tu démarres la relation sur quelque chose qui n'est pas transparent, ben finalement, tu ne vas pas en mettre en route une relation transparente et correcte. Donc, je le déconseille 100 fois. Maintenant, c'est super cette question, Thibaut, parce que un conseil que je vais donner aussi aujourd'hui, c'est d'avoir 2 GSM. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de gens qui vont voir qu'ils ont été appelés, qui vont rappeler. Alors, imaginez, vous êtes à ce moment-là dans votre voiture,
vous vous arrêtez, imaginons, vous décrochez, vous ne savez plus pour quel bien, de quel bien il s'agit. Le script, il faut quand même s'entraîner 2-3 fois avant de passer les premiers appels, histoire d'être bien échauffé. C'est vous qui devez prendre l'initiative de rappeler. Okay? Alors, sur cette deuxième ligne téléphonique, surtout, pas de messagerie du style « Paolo du bureau immobilier Property Schumann », parce que là, il veut reçu un agent immobilier, je vais le bloquer tout de suite. Très clair. Donc, ça, on a la réponse. Il y avait une autre question juste avant. Oui, les 13 appels ne sont que de contacts aboutis. Donc, ça, on en a parlé, effectivement. Tu comptes, en fait, tous les appels aboutis. Tu ne comptes pas quand il y a, enfin, quand il y a personne, ça ne compte pas pour un appel. On est d'accord. Bien entendu, bien entendu. Je vais même aller un peu plus loin, Thibaut, et dire que moi, je comptabilise la réussite sur base des conversations réelles. Parce que je vais me remettre en plein écran. Non, mais bon, bien sûr, il faut se mettre dans les conditions de réussite. C'est vrai que si on compte tous les appels où on n'a eu personne, ça ne va pas être facile, quoi. Oui, puis ce qui se passe aussi, c'est que tu appelles quelqu'un qui te dit « Écoutez, ben, je viens de vendre. » Forcément, tu n'avais aucune opportunité de vendre. Et non, on ne peut pas te le mettre comme un échec, parce que c'est… Voilà. C'est pas un échec. Et donc, si tu veux, c'est bien que tu me demandes ça, c'est que avant chaque séance, je me fixais toujours un double objectif. Soit je réussissais l'un ou l'autre, c'est-à-dire que soit je disais, voilà, je dois au minimum avoir 8 conversations aujourd'hui et ou avoir 3 ou 4 rendez-vous. Donc, je me fixais un double objectif, ce qui veut dire que si j'avais quand même eu mes 8 conversations et au pire, c'était la séance d'appel la plus merdique de ma vie, j'avais 0 rendez-vous, eh bien, je pouvais partir le cœur léger dans le sens que j'avais accompli mon devoir, tu vois. Et c'est ça qui est très important par rapport à la pige. Et c'est ça que je disais, toujours terminer sur une note la plus positive possible pour avoir envie de recommencer, tu vois. Ben non, mais c'est, tu joues un peu avec la réalité pour te permettre de réussir. C'est vraiment intéressant. On ne va pas mentir, Thibaut. Tout ce qu'on dit par rapport à la pige, le fait que c'est désagréable, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que la pige, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça le devient. Ça peut le devenir à un moment donné parce qu'on prend ça comme un jeu. Ça, c'est tout à fait possible. Mais dans la majorité des cas, non. Par contre, il y a une chose qui va se vérifier. C'est le slide suivant. Tout le monde voit, Thibaut ? Oui, on voit ton slide. Plus je joue. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Plus on joue, plus on tente sa chance, plus vous aurez de la chance comme par hasard. C'est comme quand on joue au loto, plus on joue, plus il y a des chances qu'on gagne. Quand on joue au golf, c'est la même chose. Plus on va taper, plus il y a des chances à un moment donné que ça va rentrer. De la méthode. Non, vraiment, s'il y a une chose que je rappelle ici, le golf, ça ne marche pas si on n'a pas la méthode. Vraiment, c'est sûr. Vous pouvez taper autant de balles que vous voulez. Si vous ne savez pas comment taper la balle, ça ne marchera pas. Alors, pour vous voir aussi, ça, ce sont des bons aides-mémoires à avoir à côté de soi. Donc, si vous avez besoin de vous remotiver avant de téléphoner, vous relisez ceci. C'est que 10 rendez-vous sur 10 conversations, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'un propriétaire sur 3 en moyenne ne vous donnera jamais un rendez-vous, ne confiera jamais la vente à un agent immobilier, ni à son frère, ni à sa sœur, ni à un agent, ni à un notaire. Donc, il y a des gens qui veulent impérativement le faire eux-mêmes. Au début, quand vous allez démarrer, si vous obtenez un rendez-vous sur 5 conversations, c'est bien, c'est un bon score pour démarrer. C'est 20%. Donc, c'est pas mal. Et donc, si vous avez 1 sur 5, là, j'ai une super nouvelle pour vous, c'est que chaque fois qu'on va vous dire non, les 4 fois où on va vous dire non, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça vous rapproche d'un oui. Et oui. D'accord ? 4 sur 5 doivent vous dire non. Donc, chaque fois qu'on dit non, vous dites quoi ? Vous dites merci. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous êtes en train de vous rapprocher d'un oui. Alors, quand vous appelez sur une annonce… C'est positif, hein, tu nous fais… Enfin, c'est bien, hein, on en a besoin. C'est vrai qu'on en a besoin dans l'exercice, en tout cas. Et c'est le mindset, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la pige. Hein. Après, vous allez voir le texte, bon, il n'est pas compliqué. Bien sûr, ça demande de l'entraînement pour être au top niveau, mais vous allez voir après que ce n'est pas si compliqué que ça. Et d'arriver à 5-6 rendez-vous sur 10 conversations en pige, ce n'est pas si compliqué que ça, vous allez le comprendre très vite. Alors, déjà ici… si vous appelez sur une annonce qui vient d'être mise en vente, donc le pourcentage de chances d'obtenir un rendez-vous est toujours plus faible. Pour quelle raison, d'après vous ? Là, je vais demander dans le chat, qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué d'obtenir un rendez-vous pour une annonce qui vient d'être mise que sur une annonce qui a maintenant, par exemple, 60 jours ? Dites-moi. Alors, on attend les réponses. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une réponse oui sur un bien qui vient d'être mis en ligne ? Le vendeur démarre plein d'espoir parce que le client a décidé ce jour-là de vendre seul, oui. Car les particuliers n'ont pas eu le temps de tenter seul leur chance d'être dégoûtés, très bien. Ils veulent vendre eux-mêmes, le vendeur prend encore en lui, les gens vont attendre de voir ce qui se passe, très bien.
toutes les agences sont en train de contacter le propriétaire vendeur, il en a marre. Voilà, ils ne sont pas encore cassés les dents. Donc, il y a plein de réponses de Yannick, de Marine, d'Alain, du Yannick. Enfin, je pense qu'on a les réponses, là, Paolo. Tout à fait. Tout à fait. Hein. C'est absolument ça. Ils sont pas si mauvais, hein. Ils suivent. Hein. Alors, ils ont tout compris. Mais alors, quand on a tout compris, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Hein. Alors, par contre, ce qu'on a mesuré, et c'est du vrai avec mes élèves ici, c'est que 43% des propriétaires que vous appelez vous donneront un rendez-vous si vous les suivez ou si vous les rappelez tous les combien. Ça, c'est la colle. Parce que vous pouvez avoir un propriétaire qui va vous dire « Non, écoutez, dans les médias, je n'ai pas envie de travailler avec un agent immobilier, mais rappelez-moi dans un mois. Hein? » Et alors là, il y a des agents immobiliers, Thibault. Ah, ce sont des saints. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur agenda, ils vont noter le numéro de l'annonce. 30 jours plus tard, pile. Hein, ce sont des saints. Hein? Ah, oui. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous croyez qu'un propriétaire qui a peut-être reçu 20 ou 30 fils coups de fil d'agence, est-ce que vous croyez qu'il a noté votre nom, prénom, numéro de téléphone et la date à laquelle il vous a dit de le rappeler, honnêtement? Non, moi je ne crois pas. Jamais. Donc, quand aussi même vous le rappelez avant, il ne se souviendra de toute façon pas de vous, en tout cas dans la grande majorité des cas. Hein? Alors, il y a quand même des interventions. Marc-Carole, Laetitia propose effectivement combien de jours on attend? C'est ça, 7 jours, 10 jours, une semaine, 15 jours, 5 jours, 15 jours. Alors, c'est quoi la bonne réponse? Alors, la bonne réponse, je vous la donne tout de suite, c'est 10 jours. Alors, pourquoi 10 jours? Parce 10 que toutes les semaines, c'est Agnès, elle est forte. Hein. Agnès, elle est forte. Agnès, elle suit. Ou alors, elle a déjà suivi la formation, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être ça, en fait. Agnès, elle a suivi la formation. Elle aime la pige. Eh bien, voilà, il faut aimer la pige. En fait, c'est ça. Il faut aimer faire ce qu'on fait, en fait. C'est comme les chicons, quand j'étais petit, je détestais ça. Et puis après, on m'a mis un peu de sucre dedans, hein, on me les a cuits d'une autre manière. Et finalement, c'est ça. Et finalement, aujourd'hui, j'adore les chicons avec Sylvie, du carbone. Bientôt, Sylvie, effectivement, vous pouvez regarder en replay parce que la suite est intéressante, Sylvie. Il faut revenir, hein. C'est important. Tout à fait. Donc, tous les 10 jours, ça, c'est vraiment l'idéal. Pourquoi? Parce que tous les 7 jours, c'est un peu harcelant. 15 jours, c'est trop long parce que vous ouvrez la porte aux concurrents et vous allez vous faire manger l'affaire par la concurrence. 10 jours, c'est le meilleur délai. Et ce qui est formidable, et c'est là qu'on peut atteindre jusqu'à 6 rendez-vous sur 10 appels et plus, c'est sur les annonces qui auront plus de 60 jours. Parce que ce qui se passe avec le temps, c'est que les propriétaires vont commencer à se décourager. On va en parler tout de suite. Oui. Savoir aussi que 82% des agents immobiliers n'appelleront qu'une seule fois la même annonce. Alors, si on s'est fait jeter en plus, on ne va jamais rappeler ce propriétaire-là. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des petits malins, ce qu'ils font, ils vont noter sur leur petite fiche, hein, celui-là, il est sympa. Donc, par conséquent, s'ils ne mettent rien sur l'autre fiche, ça veut dire que l'autre, il n'est pas sympa. Et donc, ils vont rappeler le propriétaire qui n'est pas sympa, ils vont déjà démarrer avec un préjugé. Alors que tout simplement, il se pouvait simplement que le propriétaire était mal disposé à ce moment-là ou c'était simplement le mauvais moment. Et donc, ce n'est pas parce qu'on vous reçoit mal au téléphone une fois qu'on va vous recevoir mal une deuxième fois. D'accord? Alors, 9% des agents immobiliers n'appelleront que 2 fois, 6% 3 fois et 3% seulement iront au-delà. Donc, si on fait le calcul rapide entre nous, du J1 ou au 3%, il y a combien de jours? Il y a 30 jours. Donc, finalement, il n'y a que 30 jours qui séparent votre premier appel du quatrième appel, à peu de choses près. Hein? Et donc, il n'y a plus que 3% des agents immobiliers qui vont appeler ce propriétaire-là. Et ce qui se passe après le premier appel et 10, 20, 30, 60 jours plus tard, pour le propriétaire vendeur, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit tantôt dans le chat d'ailleurs, c'est que d'abord le nombre de visites va commencer à diminuer, c'est logique. Il ou elle, le propriétaire, a reçu des mauvaises offres, ou l'échéance de son crédit pont, ou crédit soudu, ou relais approche, il en a peut-être marre des visites, et donc ce qui se passe, c'est que dans la tête du propriétaire, les doutes s'installent et il commence… Pardon, tu vas trop vite, je te coupe. On a une question de Magali, elle te demande, et effectivement Magali, faut-il dire qu'on les a déjà contactés il y a 10 jours ou faire comme si c'était le premier appel? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? Super question. Alors, entre le premier et le second appel, on va redémarrer le script exactement de la même manière sur le deuxième appel. Pour quelle raison? Comme on l'a dit tout à l'heure, comme votre appel il a été noyé dans les 25 ou 30 appels qu'ils ont reçus d'agents immobiliers, ils ne vont pas se souvenir de vous. Si ça tombe ce jour-là, vous n'avez peut-être même pas eu l'occasion de vous exprimer comme vous le souhaitiez parce qu'on vous a raccroché rapidement
au nez. Donc, le deuxième appel, on le démarre toujours de la même manière que le premier. Le troisième appel, on va faire un peu différemment, parce que là, on va plus aller dans le détail du style, on s'est déjà contacté plus d'une fois, et aujourd'hui, je voulais savoir où vous en étiez par rapport à la vente de votre maison. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir de belles offres? Dites-moi. Donc là, c'est vrai qu'on va personnaliser un peu plus l'appel. Si on a bien travaillé, en plus, on a le nom du propriétaire. Hein, on va voir comment. Et donc là, on commence à se rapprocher, à être plus proche finalement du propriétaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et cinquième, sixième appel après, ça va être la même chose que le troisième. C'est le suivi et la logique de la vente. Est-ce que vous en êtes dans votre projet? Comment se passent les visites? Tiens, et qu'est-ce que j'ai bien compris, on mentionne le premier appel quand on rappelle? Non, ce n'est pas nécessaire. Enfin, moi, je ne le fais pas. Alors, attends, il y a une autre question. Combien faut-il faire de séances de prospection téléphonique par semaine dans l'idéal? Ah, c'est une question large. Il n'y a pas vraiment de règle. Le plus important, c'est de le faire. Alors, bon, c'est vrai que si vous appelez alors que le propriétaire vient de mettre son annonce dans la seconde, bon, c'est peut-être un peu rapide, hein? Mais bon, pourquoi pas? Vous savez, ça m'est déjà arrivé d'avoir rendez-vous avec des gens qui m'ont dit, ben écoutez, on a mis notre annonce pour voir quels étaient les agents immobiliers les plus réactifs. Vous êtes le premier à nous appeler, donc on va vous recevoir. Et j'ai signé. Donc, vous savez, avec les propriétaires, tout est possible. Maintenant, ce que je peux donner comme réponse, c'est que mon habitude, c'était la suivante. C'est que moi, je faisais ça tous les samedis matin. Donc, j'allais au bureau à 8h30. Ça me donnait une heure pour préparer mes appels. Donc, je préparais toutes les fiches, les numéros que j'allais appeler. Et on va le voir tout de suite en parlant du script. C'est que je préparais pour chaque bien sur lequel j'allais appeler. Je lisais attentivement l'annonce pour pouvoir personnaliser mon appel du style. J'allais chercher dans la description du bien deux points positifs qui vont être les raisons pour lesquelles j'appelle. Et j'allais aussi chercher un point négatif. Ah, ah, ça, vous allez voir, c'est le petit piège qu'on va tendre au propriétaire pour dire qu'on n'est pas vraiment demandeur. Hein. On veut bien venir chez lui, mais sous certaines conditions. Ça, on va le découvrir dans quelques instants quand on va rentrer dans le script même. Tu vois ? Donc, si tu veux, moi, je fais ça toutes les semaines, le samedi, de 8h30 jusqu'à 13h, 13h30. Et mon objectif, c'était de rentrer chez moi le samedi 13h30 avec au moins 4 rendez-vous. Ça, c'était mon objectif. Non, mais c'est pas merveilleux. Parce que comme disait une de mes collaboratrices à l'époque, Paolo, moi, quand j'ai mes rendez-vous, le reste après, c'est de la promenade. Et c'est vrai que le plus dur, finalement, c'est quoi? C'est d'avoir des rendez-vous. Après, ben, bon, évidemment, il y a des méthodes, il y a des scripts aussi pour la suite. Mais le plus dur, entre guillemets, c'est d'avoir des rendez-vous. Hein? Oui, non, mais je pense qu'en plus, le timing est bon. Et puis, c'est bien de se donner un objectif clair sur un temps court et parce qu'on a envie de rentrer à la maison. Donc, je pense que c'est très bien de le faire comme tu le faisais. Ce qui est génial aussi, bon, c'est que beaucoup d'agents immobiliers abandonnent trop tôt, et tant mieux, hein, tant mieux pour vous. Ne pas rappeler un propriétaire, c'est d'office vous récolter un nom, c'est dommage. Bien sûr, vous allez recevoir des objections, et là, j'ai une super nouvelle par rapport à ça. Vous savez quoi? Quelle est la bonne nouvelle finalement par rapport aux objections? Alors, c'est que si on n'avait pas, imaginez comment ça se passerait. Imaginons que tous les propriétaires nous disent oui. Ben, vous devriez être au taquet tout le temps. Au taquet tout le temps, d'une part, et puis vos concurrents ne seraient pas dégoûtés. Donc, par contre, si vous savez, vous, comment traiter une objection avec une aisance, vous allez voir, puisque vous êtes encore là, et donc je vais bientôt vous expliquer comment je réponds à l'objection « je ne veux pas d'agence ». Si vous avez le truc ou une astuce, en tout cas, pour y répondre facilement, ben, forcément, vous avez beaucoup plus de chances que vos concurrents. D'accord. Oui, c'est un peu une barrière à l'entrée, en fait, là, la gestion des objections. C'est un filtre. Effectivement, c'est un filtre. Absolument. J'aime bien cette expression. Et donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit non une fois, même lors du même appel, qu'on va vous dire non deux fois. Vous savez, il faut des fois, entre guillemets, rebondir 3 à 4 fois durant le même appel, relancer le propriétaire avec 3 ou 4 réponses qui s'enchaînent pour obtenir finalement un oui, pour que finalement, ils disent, bah oui, finalement, je suis d'accord de vous rencontrer. Et bon, il faut un script et il faut le suivre. Alors le script, très important. Voilà, on y arrive maintenant. Maintenant, ce que je voudrais encore vous dire par rapport au script, ça vous allez voir, ça va vous paraître mais hyper simple, mais un script sans entraînement, il ne vaut rien du tout. Donc, si vous n'êtes pas entraîné, si ce n'est pas fluide, même si demain je vous le donne avec toutes les réponses aux objections,
si vous ne vous entraînez pas, si c'est pas fluide, le propriétaire, il va l'entendre et il va, entre guillemets, se méfier. Vous savez, les propriétaires, ils ont besoin d'entendre que la personne qui est au téléphone derrière, qu'elle a de la confiance en elle. Et ça, ça passe par le sourire, ça passe par la fluidité et par l'intonation. OK? Donc ça, c'est super important. Alors, on ne vend pas au téléphone un service. Donc, comment ça, dire aux propriétaires, oui, mais ce serait quand même bien qu'on se rende compte, vous rendez compte, avec le Covid, les visites, c'est compliqué. Vous savez, nous, on fait les visites virtuelles, j'utilise Matterport. Tu vois, et commencer à vanter tout ce que vous pouvez lui apporter, ça ne sert à rien par téléphone. Hein, au téléphone, vous allez le voir d'ailleurs, mon seul objectif, c'est de vendre un rendez-vous uniquement, c'est de lui donner envie de me rencontrer en tant qu'agent immobilier. Alors aujourd'hui, je sais que pour la grande majorité d'entre vous qui avez déjà fait la pige ou qui l'a fait encore aujourd'hui, les premières phrases que vous utilisez quand vous appelez un propriétaire, c'est, et je vais vous laisser remplir le chat, qu'est-ce que vous dites quand vous démarrez votre appel en pige vers un propriétaire? Dites-moi. Ok, on a des réponses. Ah, j'aime bien. Je me permets de vous déranger, ce qu'il ne faut pas faire. Exact. On dérange. Ouais. OK. J'ai des clients pour votre bien. Ça, ils vont l'entendre 3000 fois. Donc, vous n'êtes pas crédible. Tout le monde le dit. Ouais. Ouais. On se présente, tout à fait. Ouais. Bonjour, je me présente. Est-ce que votre bien est en vente? Ça, c'est pas mal, Carole. Est-ce que vous êtes le propriétaire? Est-ce que le bien est toujours en vente? Oui. Votre maison est toujours à vendre, bien sûr. Oui, je me présente. Avant de me présenter, vous me revenez toujours. Est-ce que vous êtes bien le propriétaire? Génial. Parfait. Je vous appelle concernant le temps. Ça va être ça. Bonjour. Et on l'a vu très souvent ici dans le chat. Je suis de l'agence. Alors, qu'est-ce qui se passe? La bonne réponse, c'est quoi? Pablo, je suis perdu parce qu'il y a eu tellement d'interventions. Alors, quelle est la bonne réponse? Voilà, on y vient tout de suite. Donc, ce qu'on entendra le plus souvent, c'est « Bonjour, je suis de l'agence. Qui va devenir à la place ?» C'est bien vous demander donc une maison ou un appartement à Bruxelles, par exemple. Est-ce qu'elle est toujours en vente? C'est pas je me présente, c'est pas ça. Je vous appelle au sujet de votre annonce. Okay. La maison est toujours en vente. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Parce que, bon, rapidement, on va se présenter, vous allez le voir, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir la porte qui se ferme tout de suite. Oui. Il faut éviter d'avoir le blocage immédiat et donc pour ça, la technique, c'est d'abord d'aller chercher deux oui, ou un minimum de deux oui. Oui. Et vous avez remarqué que je ne dis pas « c'est bien vous qui vendez un bien ». Pourquoi? Qui utilise le terme « bien » ? Les agents immobiliers. Ce sont les agents immobiliers. Et donc, il faut que dans les premières secondes, en tout cas, le propriétaire hésite et ait un doute, puisse penser qu'il s'agit d'un particulier pour que vous ayez l'occasion après de vous présenter. Alors, dans la façon de se présenter, il y a une façon de faire. Hein? Oui, ce qu'on peut avoir tout de suite, évidemment, c'est le propriétaire qui vous dit « vous êtes une agence ?» Hein, et sur un ton hyper sympa. Hein. Vous êtes une agence? Alors là, qu'est-ce qu'on répond? On répond absolument. Vous savez, avant, par rapport à cette réaction d'un propriétaire, j'étais gêné parce que, comment je me disais, finalement, je l'ennuie, je l'emmerde pour être poli. Hein, et donc, c'est normal qu'il me parle comme ça. Et donc, j'étais un peu gêné finalement. Hein. Mmh. Je me suis dit, mais enfin, c'est ridicule. Moi, je ne l'appelle pas pour aller lui voler de l'argent ou lui prendre de l'argent. Non. Je l'appelle pour lui faciliter la vie, pour lui permettre d'obtenir un meilleur résultat. Je suis fier de ce que je fais finalement. Je sais que la plupart de mes clients, ou 90%, si pas plus, sont satisfaits de ce que j'ai fait pour eux. Pourquoi je serais gêné de le dire? Et donc, le sourire, c'est dire absolument. Et comme il vous ouvre la porte, eh ben, allez-y, vous vous présentez. Absolument. Paolo du bureau immobilier Property Schumann. Situé juste en face de la Commission européenne, monsieur. Et si je vous appelle aujourd'hui, simplement, c'est parce que tous les jours, je visite tous les appartements à vendre sur mon secteur de Schumann, mais seulement, monsieur, ceux qui me semblent vraiment intéressants pour les acheteurs. Alors ici, je détaille un peu ce que je dis. Vous voyez que je n'utilise plus le terme agence. C'est devenu bureau ou ce sera cabinet immobilier. Situé, donc pour situer où se trouve l'agence, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que tous les jours, je visite tous les appartements, sous-entendu, tous les jours, ça veut dire que c'est mon métier full-time. Deux, je visite tous les appartements, sous-entendu, si je ne visite pas le vôtre, ce n'est pas normal. Et puis, mais par contre, mais seulement, ceux qui me semblent, a priori, vraiment intéressants pour les acheteurs. Et donc, bon, là, c'est sympa pour le propriétaire. Et si je vous appelle aujourd'hui en particulier pour votre appartement,
Et c'est là que vous voyez les deux points positifs que j'avais préparés tantôt. C'est important. C'est parce que j'ai remarqué, par exemple, que vous avez un séjour de 30 mètres carrés et une terrasse qui donne sur toutes les chambres. Est-ce que c'est exact, monsieur? Est-ce que vous pouvez me le confirmer? L'intelligence. Donc, à ce moment-là, le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous dire, oui, effectivement, mais monsieur, je dois quand même vous dire que je ne suis pas décidé, je n'ai pas tellement envie de travailler avec une agence ou on n'est pas décidé à prendre une agence dans l'immédiat. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, oui, tout à fait. Donc, vous n'allez pas contre lui. Vous dites, oui, tout à fait. D'ailleurs, monsieur, et c'est là qu'on va lui tendre un petit piège sympa, sous-entendu, c'est pas sûr que j'ai envie de venir chez vous. Il va falloir que vous me rassuriez, monsieur le propriétaire. D'ailleurs, monsieur, avant d'organiser une éventuelle visite de votre appartement et de vous déranger pour rien, d'ailleurs, votre nom, c'est monsieur? Et là, il va vous donner son nom. C'est rare qu'il vous le donne pas. Je voulais vous demander, dans votre annonce, je ne vois pas le DPE. En Belgique, c'est le PEB. Je vous parle. Est-ce que par hasard, votre appartement consomme beaucoup d'énergie? Je ne sais pas. 99 fois sur 100, il va vous dire non, pas du tout. Non, c'est juste que bon, on n'a pas, oh là là, on n'a pas eu le temps de le faire, tout simplement. Ah bon, ok. Bah, écoutez, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on fait après? Il nous a rassurés. Eh ben, on va closer. Donc, on va conclure. On va dire quand puis-je alors visiter votre appartement? Je peux vous proposer, par exemple, mardi ou jeudi, en fin de journée, qu'est-ce qui vous arrange le mieux, monsieur? Donc, du fait qu'il nous a rassurés, non, il ne consomme pas trop d'énergie, on est à 250 euros de charge par mois, tout compris. Ah oui, c'est raisonnable. Eh bien, alors, quand est-ce que je peux visiter votre appartement? Le mot le plus important là-dedans, vous savez lequel c'est? C'est le « alors ». Du fait que vous m'avez dit ça, alors, j'ai envie. Donc, alors, quand puis-je visiter votre appartement? Et je peux vous proposer mardi ou jeudi. Important que vous proposiez deux moments. Parce que si vous dites, est-ce qu'il est possible alors de se rencontrer? Vous ouvrez la porte à quoi? Ah oui ou un non, mais en tout cas, un non, bien évidemment. Oui. En tout cas, il est quasi sûr que vous ouvrez la porte au non. Elle est grande ouverte. Hein? Si vous dites, et c'est la simple règle de l'alternative, mardi ou jeudi, il ne réfléchit plus à si oui ou non il veut vous rencontrer, il réfléchit à quand? Oui. Vous voyez la nuance? Donc, super important, c'est de présenter les choses avec la règle ici qu'on vient de voir, qui est la règle. Peut-être un petit récap, parce que est-ce que tu l'as peut-être après sur ce que tu as fait en fait? Parce que tu l'as. Oui. C'est simple, mais il y a quand même des astuces. Donc, j'aimerais que tu reviennes sur les points clés en fait des astuces. On va le faire un peu plus loin si tu veux bien. Je voudrais déjà remercier ceux qui sont encore là, ça fait 50 minutes. Comme j'avais promis de venir sur l'objection « je ne veux pas d'agence », on va le faire tout de suite et puis on va faire un récap Thibaut. Je rappelle d'abord qu'une objection, c'est une barrière, c'est un filtre, comme tu disais très bien, j'aime bien cette expression, c'est une barrière entre guillemets a priori illusoire. C'est pas un rejet personnel, c'est quelqu'un qui vous dit simplement qu'il a peur ou qu'il n'est pas en confiance. C'est un réflexe de protection où il n'a pas confiance tout simplement. Vous savez, un inconnu vous appelle pour vous proposer de venir voir son bien, son intimité, lui proposer un service dont il n'a pas forcément envie. C'est quelque chose de normal. Donc, dès que je prends mon téléphone, je suis convaincu que je vais en recevoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis une technique qui s'appelle la technique des 5 blocs. Ce sont en fait 5 petites phrases faciles à suivre, à répéter, même un enfant de 10 ans pourrait le faire à votre place. Quand on vous dit non, ben vous passez au bloc 2. Quand on vous dit non, vous passez au bloc 3 et au 4 et au 5 et ainsi de suite. C'est super facile. Et donc, pour traiter une objection, ce qui est super important, c'est de ne pas le prendre comme une attaque d'abord et donc de ne pas vivre ça comme un combat et de ne pas entrer dans la justification. Ce qu'on va faire ensemble maintenant, on va utiliser la technique, celle que j'appelle du point mort ou la technique de l'essuie-glace, vous allez comprendre. C'est d'abord toujours de dire au propriétaire le mot « d'accord ». Donc, quand on vous dit « non, écoutez, je ne veux pas d'agence », vous dites « d'accord ». Qu'est-ce qui se passe quand on dit « d'accord » ? Eh bien, l'interlocuteur qu'on a en face, il se dit « ah ben ça va, je n'ai pas en face de moi quelqu'un qui va me saouler ou quelqu'un qui va insister comme un malade ou quelqu'un qui va m'ennuyer longtemps ». Ok ? Donc, dès l'instant où vous dites « d'accord », directement de l'autre côté, ça va se relâcher. Ok ? Parce que j'entends souvent des gens qui me disent « ah moi, je dis « je comprends ». ». Oui, c'est très bien de dire « je comprends », mais d'abord, il faut dire « d'accord ». Donc, le « d'accord », c'est une phrase qui est très souvent oubliée. D'accord, je retiens. C'est ce qui permet justement de jouer à l'essuie-glace, c'est d'accord. Et puis après, ce qu'on va faire, on va reformuler ce qui vient de nous être dit.
soit en entier, soit en résumé. Donc, écoutez, non, dans l'immédiat, on n'a pas envie de travailler avec une agence. Je comprends. Et là, on va dire, d'accord, je comprends. Donc, pas d'agence, c'est bien ça. Et c'est le « c'est bien ça » ou « c'est bien juste » qui est le plus important. Vous savez pourquoi? Parce que là, le propriétaire, il va vous répondre quoi? Il va vous répondre « oui ». Et dès l'instant où vous avez répondu « oui », c'est comme si on avait remis les compteurs à zéro, donc l'idée du point mort ou de l'essuie-glace. Hein, ça, après, on peut venir avec sa réponse à l'objection. Et vous allez voir que ce n'est pas une réponse qu'on va donner. On va être plus subtil que ça. On ne va pas argumenter, on va répondre avec une question. Alors, la question, je vous la donne, c'est le bloc 1 sur 5. C'est d'accord, hein, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que je peux alors vous demander, et je vais vous demander dans le chat de répondre, monsieur le propriétaire, au final, ici, dans la vente de votre appartement, quelle est la chose la plus importante pour vous? Est-ce que c'est de réduire le délai de vente? Est-ce que c'est d'être sûr que votre acheteur aura bien son crédit? Sinon, ben, vous le savez, vous devez tout recommencer. Et en cette période de Covid, plus d'un crédit sur trois sont refusés. Hein. Ou est-ce que c'est d'obtenir le prix le plus élevé? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, monsieur le propriétaire? Je vous laisse dans le chat. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, si vous étiez à la place du propriétaire? Alors, on a plein de réponses. Hein. Le prix le plus élevé, bien sûr, la rapidité donc, pour la vente, le crédit, vendre le plus cher possible. Oui, je pense que ça, c'est… Alors, exactement. C'est pris au meilleur prix. 99 fois sur 100, c'est le prix qui va venir, effectivement, et c'est la raison pour laquelle on l'a mis en dernière position, voyez. Donc, on lui demande ce qui est important pour lui, mais en même temps, on attire son attention sur le fait que le délai, c'est quelque chose d'important, que le crédit de l'acquéreur, c'est quelque chose d'important, voyez. Donc, indirectement, on attire l'attention, son attention sur ces points-là. On lui demande, oui, ce qui est le plus important. Nous, on sait ce qu'il va nous répondre. 9 fois sur 10, c'est le prix. Et à ce moment-là, comme il nous a dit ce qu'on voulait, on va lui répondre. Parfait. Bon, je vois qu'on s'est bien compris. Et donc, quand est-ce que c'est possible alors pour vous qu'on se rencontre? Je peux vous proposer mardi ou jeudi. Tu vois l'astuce? Donc, on ne répond pas à une objection. Je reviens un petit peu en arrière ici, parce que c'est hyper important de la traiter de cette façon-là. C'est de démarrer toujours par le mot « d'accord », reformuler en entier ou en résumé. Donc, pas d'agent dans l'immédiat, monsieur. Oui, oui, on veut… Alors, vous allez voir, ils vont vous en rajouter une couche. Ils vont vous dire des choses du style « oui, oui, mais on va essayer encore pendant un mois, on a beaucoup d'appels, on a beaucoup de visites, on est content. » Et là, qu'est-ce que vous allez répondre? On est au même stade. On va dire, ben oui, c'est complètement logique, monsieur le propriétaire. Et quand on lui dit c'est complètement logique, il va s'apaiser, évidemment. Et est-ce qu'on peut alors aller plus loin et lui dire ceci? Est-ce que je peux alors vous demander, monsieur, au final, quelle est la chose la plus importante pour vous? Est-ce que c'est finalement de réduire le délai de vente? Est-ce que c'est d'être sûr que votre acheteur obtiendra bien son crédit? Parce que j'entends, vous me dites que vous avez beaucoup de visites, mais si maintenant vous trouvez le bon acheteur et qu'il n'a pas son crédit, vous devrez tout recommencer. Ou est-ce que c'est le prix, d'obtenir le prix le plus élevé? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, monsieur? Entre une objection ou prix? Vous entendez que la manière dont on aborde l'objection, elle est hyper bienveillante en plus. Hein? Donc, c'est hyper soft. OK? Donc, je récapitule. Au on niveau du... le récap, parce que là, il est 57 et le couvre-feu, c'est dans 3 minutes. Ah oui, il y a couvre-feu. Non, bon. On est d'une minute, on est une minute de plus. On va essayer de respecter. Allez, 2 minutes. Soyons okay, donc, c'est bien vous qui vendez. Est-ce que la maison est toujours bien en vente pour obtenir les oui? Paolo du bureau immobilier Property Schumann. Je vous appelle simplement parce que tous les jours, je visite toutes les maisons qui sont en vente sous mon secteur, mais seulement celles qui me semblent vraiment intéressantes. D'ailleurs, j'avais remarqué au niveau de votre maison, vous avez un grand jardin orienté plein sud, une terrasse magnifique. Et alors, le séjour qui fait 40 mètres carrés en L, c'est bien ça, monsieur? C'est bien juste, vous me le confirmez? Oui, oui, tout à fait. Par contre, avant de vous déranger d'organiser une visite pour rien, je voulais vous demander, je ne vois pas dans votre annonce le DPE ou le séjour a l'air sombre d'après les photos. Est-ce que dans la réalité, c'est bien comme ça? Non, non, pas du tout. C'est vrai que la photo n'est pas bien faite. Ah, super, ben, magnifique. Alors, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Je peux vous proposer alors mardi ou jeudi.
D'accord? Je termine rapidement parce que tu m'avais donné une heure, j'ai encore 2 minutes. Hein. Donc, rappelez-vous, 10 rendez-vous sur 10, ce n'est pas possible. 32% vous diront non. Quand on débute, un rendez-vous sur 5, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que 4 doivent vous dire non, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup d'agents immobiliers vont abandonner rapidement. Au bout d'un mois, il n'y a plus que 3% des agents immobiliers qui vont suivre ce même propriétaire. L'API, c'est un gisement inépuisable de biens. Ça permet, quand le relationnel ne suffit pas, d'arrondir les fins de mois. Ça permet de devenir un top ou une top du commercial. Personne n'en est mort. La ténacité paye. La loi des nombres, la loi des moyennes, ça va vous servir aussi. C'est l'occasion de maîtriser votre secteur, de prendre tout ce qui passe, d'assécher la concurrence. Et puis, ce qui est génial la plupart du temps, c'est qu'un mandat qui est bien travaillé amène des mandats. Et réfléchissez bien, 60 000 euros en plus par an serait quand même génial pour vous. Alors, rapidement, on enverra le lien par la suite, sans doute, Thibaut. Juste pour dire que j'organise le 9 du 3 et le nombre de places est limité à 200. Donc, c'est une session, c'est gratuit aussi. C'est une mini formation d'une heure 30 qui s'appelle Full Power Mandat, comment rentrer vos mandats en exclusivité sans devoir argumenter, comment répondre aux objections s'il y en a quand même avec une simple technique qui s'appelle AVI+, une technique qui marche pour quasi toutes les objections, et cerise sur le gâteau, c'est comment rentrer plus de 80% de vos mandats au juste prix sans avoir peur du concurrent. Voilà Thibaut, on a fait le tour, on est pile poil dans les temps. On a tenu exactement dans l'heure. Voilà, il y a beaucoup de choses. L'intérêt, c'est qu'il y a vous avez aussi le replay pour revoir effectivement les parties importantes de cette intervention, pour effectivement apprendre le script par cœur et pour obtenir des résultats. Moi, je serais très heureux d'avoir des retours de ceux qui sont avec nous aujourd'hui, de vous tous, de la mise en place de ce script lors des prochains VM Excellence. Donc, vraiment, mettez en application le script de Paolo. Merci Paolo, c'était super. Moi, j'ai appris plein de choses. Le d'accord, je comprends. Ce n'est pas je comprends, mais d'accord, je comprends. D'accord. Merci beaucoup, Paolo. Merci à tous. La semaine prochaine, séance de rattrapage, non pas lundi, mais mardi. Pourquoi ? Parce que le mardi, c'est mieux que le lundi. C'est pour ça qu'on a mis le mardi. Séance de rattrapage avec Sébastien Doussin, vraiment qui a un profil très intéressant. C'est passionnant. Un projet incroyable dans l'immobilier à nous présenter. Et puis surtout une méthode aussi, une méthode comme toi, Paolo, va nous présenter une méthode de coaching pour la performance. Voilà, comment avoir toujours plus de performance dans notre quotidien, au travail. Merci à tous, merci d'avoir été là. Merci Paolo, on est dans les temps, on est parfait, on ne change rien. Je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, 17h. Merci Paolo,